Maintenant, avec l'outil trait, je vais dessiner un trait vertical, comme ceci, avec la touche majuscule. Avec la flèche noire, je le positionne sur le bord de la tasse, comme ça. J'active l'objet, le dernier qui se trouve tout au-dessus en fait. C'est important que quand je vais faire une division, diviser les objets inférieurs, mais forcément l'objet qui divise doit être supérieur, il doit être au-dessus. Donc j'active cette ligne, j'active également le cercle avec la touche majuscule et je demande l'option objet tracé diviser les objets inférieurs. Si vous devez souvent l'utiliser, on a vu hier qu'il y a possibilité de mettre un raccourci clavier, bien sûr. C'est ce qu'on avait fait pour ajout de point d'ancrage. On ne va pas le refaire ici, mais enfin, sachez qu'on ne va pas 50 fois par jour dans un menu. À un certain moment, on utilise un raccourci clavier. Ça va beaucoup plus vite. Oui, donc excusez-moi, je vous ai enduit dans l'erreur. Le deuxième objet ne doit pas être sélectionné, c'est une erreur. Ben oui, c'est ça. Donc il va falloir. Ben, la tasse est verrouillée, normalement, elle ne devrait pas subir le. La division, hein. Attention, hein. Parce que sinon elle va te couper aussi. Il n'y a que le cercle jaune que je veux couper. Bon, ben soit je l'enlève de l'affichage, soit je la verrouille, soit je fais les deux. Objet, tracé, diviser les objets inférieurs. Voilà. Et je vais prendre cette partie-là et la supprimer, touche suppression. Et la tasse en bas n'a pas été du tout affectée parce qu'elle était verrouillée et en plus elle n'était pas affichée. Donc il n'y a pas de raison qu'elle soit coupée par le trait.